nous avons la chance d'avoir deux comédiens. Le troisième a dû décoller malheureusement très rapidement. Mais ne vous inquiétez pas, on a encore la niaque pour répondre à vos questions. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement les deux comédiens qui sont là pour nous ce soir. Enfin ce soir, cet après-midi, mais pas si tard, encore, tout va bien. Je vous demande d'accueillir Thierry Bourdon et Boris Rélinger. Alors bonjour à vous deux, ça me fait très plaisir de vous voir, de vous accueillir. Alors je vais vous présenter un petit peu pour ceux qui ne vous connaissent pas. Thierry, toi tu as commencé le doublage il y a de nombreuses années sur les premiers animés qui sont arrivés en France. Tu as fait Candy, tu as fait Albator, ensuite tu as enchaîné sur la génération Club Dorothée. Et Boris, toi, tu es la voix actuelle récurrente de Jason Statham, de Joaquin Phoenix. Non. Non ? Non, ce qui fait que j'ai fait quelque chose. Ah, comme moi. Colin Farrell. Colin Farrell, Gérard Butler, etc. Alors, on va commencer par une question, j'ai envie de dire bête, mais qui permet de poser les bases, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes tous les deux d'une génération différente, j'ai envie de dire. Comment vous êtes arrivés tous les deux dans le milieu du doublage? Je crois que toi d'abord, parce que vous en Alors, moi je suis arrivé dans le milieu du doublage, j'étais juste adolescent. Dans les années 70, on a vu arriver les premiers dessins animés japonais. J'ai une voix assez légère. J'ai toujours à peu près la même voix, parce qu'on a fait souvent, j'avais souvent repris le même rôle. J'ai donc eu la chance d'être sur les premiers mangas qui arrivaient. Ça surprenait un peu tout le monde parce que c'était très nouveau. On ne connaissait que Disney. Bon, je travaillais aussi pour Disney. Et on n'était pas toujours très bien vu en tant que doubleur de dessin animé japonais. Mais votre présence nous confirme qu'on a eu raison de s'accrocher parce que finalement ça a duré et ça a fait ses preuves. Maintenant, ça fait un peu partie de la culture. Donc moi je suis vraiment un dinosaure, je suis très très vieux, j'ai fait Albator, la bataille des planètes, plein de choses, Candy, et puis comment des films 35, évidemment, j'ai travaillé pour le cinéma, Disney, toutes les grosses boîtes. Et je continue par faire du doublage, on m'appelle de temps en temps. C'est toujours un grand plaisir pour moi. J'aimerais faire plus de dessins animés parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup l'énergie parce qu'on nous demande, c'est un travail particulier, on nous demande vraiment d'amener notre énergie à l'œuvre. Voilà. Pour donner de la vie aux images. Donc maintenant, je passe la parole à Boris. La question, c'était comment on est arrivé au. Moi, c'est le théâtre qui m'a amené au doublage parce que je suis un comédien. Déjà, les figurons des marchands de rêves qui vous disent, qui vous proposent des stages. Les fameux écoles de doublage. Pour vous dire, voilà, vous allez apprendre la technique, après vous pourrez faire mettre des voix de but, tout ça. C'est faux, ils vous mentent et ils vous prennent vos sous. Voilà, donc il faut être comédien. Par exemple, José Micheli, qui est la voix française de Al Pacino, qui est musicien, qui est un comédien anglais de théâtre. Quand les gens viennent assister, ils demandent, même si c'est de plus en plus difficile, parce que les clients, les plateformes ont peur, souvent justifiée, de se faire pirater leurs produits, parce qu'un produit piraté qui se trouve sur Internet, commercialement parlant, il est flingué, quoi. Comme si ça représente quand même beaucoup d'argent. Voilà. Donc, il dit, mais bonjour, je vais assister pour rien, et j'ai fait un stage. Bon, d'accord. Est-ce que vous êtes comédien? Je suis 15 ans. Maintenant, si vous êtes comédien, est-ce que vous avez fait l'école, une école privée ou une école nationale? Est-ce que vous jouez au théâtre? Est-ce que vous êtes mort? Non. Ah, écoutez, allez prendre 3 ans de cours et revenez-vous. Parce qu'il n'y a pas que le technique. Comme moi, c'est le théâtre qui m'a mis au doublage. Je jouais une poétique sur les années 20. De Henri Michaud, assez violent, et là dans la saison, c'est vrai, un grand auteur qui s'appelle Jean-Pierre Carassion, qui a énormément écrit Miyazaki, qui est un traducteur aussi, avec un directeur
créateur de Platon, qui s'appelle Jean-Marc Tamoutier, qui a doublé quasiment tous les Miyazaki, entre autres. Et ils m'ont vu sur scène, ils m'ont dit, mais ce garçon a une énergie intéressante, il a une technique intéressante, parce que évidemment, quand on est sur scène, on apprend à respirer, on a des questions précises. Et on voit tout de suite si un acteur, donc on le sait dans les 30 premières secondes, s'il est généreux, s'il est dedans ou pas. Donc si on me voit, il dit que dans tout le temps, ça m'intéresserait. Je fais Rénilé. Et le premier doublage, j'étais remplacé. C'était Showgirl. Et il y avait dans le film, un personnage qui prend une jeune danseuse qui a une carrière à Las Vegas en Microsoft. Et donc il m'avait donné ce personnage-là. Je commence. La première fois, je donne un micro, on ne m'entend pas. Parce que je pense que là, c'est un micro. Non, je ne sais pas. Et après, il arrive une scène où il part très très vite et il y a Massachusetts. Dedans, je n'ai jamais passé l'état de Massachusetts. Et il m'a remplacé parce que c'était pas le temps. C'est mon premier doublage, c'est ça. Voilà. J'ai un peu progressé depuis. Et voilà, moi, c'est les débuts, c'est ça. Massachusetts, c'est mieux en bouche maintenant, c'est. Ah, Massachusetts, moi, ça me roule. Bon, ben, ça va. On va prendre quelques premières questions peut-être, parce que certains vont prendre des questions. Oui, allez, du coup, on a personne pour passer le micro, du coup, je m'y rends. Ah, si, bah parfait, comme ça j'ai pas besoin de bouger. Ah, il ne fonctionne pas, le tir allumé. Bien, on va y arriver. On va y arriver, tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Tout se passe bien. Bonjour. On m'entend? Ok. J'aurais une question. Vous avez tous les deux fait de l'animation, vous faites aussi des films live, et des coordinations des certains acteurs. Je me demandais, c'est un peu des généralités, mais concrètement, en termes d'énergie, en ce moment dans le studio, quelles sont les différences entre le fait de jouer un film d'animation et un film live? C'est un peu des généralités, mais j'imagine qu'en termes d'énergie, dans ton sens, ça ne va pas être la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, c'est la même chose, mais. Avec une petite nuance qui est la suivante. Un film d'animation, l'animation, même la plus belle des animations, il faut l'animer un peu plus avec la voix, parce que les images sont quand même, c'est quand même, je ne vais pas dire statique, mais il faut en rajouter un petit peu plus. Il faut quand même, pour les dessins animés, il faut être un peu au-dessus, et il faut un peu, je ne vais pas dire surjouer, mais il faut jouer plus. Après, la différence avec le 35 mm, avec les acteurs qu'on double, nous, on est des serviteurs. On doit se mettre, comme dans des pantoufles, comme dans des chaussures, on doit se mettre. On est là pour servir quelqu'un, et pas pour nous se servir nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on doit regarder, déjà, il faut regarder, bien regarder et écouter l'original. Ensuite, il ne faut pas dépasser l'image. Surtout pas dépasser l'image, parce qu'autrement, on n'y croit plus. Et puis il y a des, comme vous le voyez, il y a des belles rencontres de certains comédiens qui vont vous aller comme un gant. Vous avez des gens, vous ne savez pas pourquoi, mais votre voix, dessus, ça va être. Et c'est un peu une chimie, c'est un peu magique quand même. Et puis il y a des gens, comme tu parlais de nos camarades, qui savent qui on va pouvoir mettre sur cette tête, mais quelle est l'énergie. Un directeur de plateau, ce qu'il me recherche, c'est votre énergie. Mais il sait. Alors, on ne va pas forcément donner pour doubler un gros, on ne va pas mettre un gros dessus, ça va être mal, vachement maigre, ça n'a rien à voir. On va pouvoir, je parle avec une comédienne, la fille de Marion Gann, qui doublait une noire. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais bien sur les plaques? Elle dit, on ne les donne pas assez. Elle dit, elle va se faire là-dessus. Elle dit, moi, j'aimerais bien faire plus, mais vous voyez, il y a des clichés, on peut penser qu'on peut mettre des noirs sur les noirs, des blancs sur les blancs, des blancs sur les gros. Non, c'est l'énergie. Et ça, c'est un truc particulier. Il y a, personnellement, c'est sûr que quand on rentre pour attribuer Jérém, par exemple, en Rosen, c'est que j'ai découvert un univers, je ne sais pas pourquoi il se tape dessus. Voilà. Et pour être le plus fort, voilà, sinon il meurt, il disparaît. On peut même dans la même chose. Et quand je vois mes camarades qui font, il y a très longtemps qu'on est réglement, effectivement. Je fais un truc, il passe cette journée à hurler. Le calmant, c'est très difficile. Le calmant, c'est un truc de
fou. C'est fait par un sportif. Ça demande de la technique. La technique, tu vas apprendre à respirer. Voilà, respirer. Ça, et ça parle. Ça, ça parle. Ouais, ça parle. Et, donc, voilà. Et moi, je suis très content parce que j'irai. Voilà, on me dit, il n'en fait pas plus, il n'y a pas besoin. Donc, j'étais très content. Je n'ai pas coupé la voix. Donc là, on arrive. Là, je le fais avec tout mon petit cœur. Mais c'est un peu comme des chats. Un chat, il n'a rien fait, il ne fait rien. Voilà, mais il faut avoir tout ça dans la vie. Moi, je suis pour la paresse, mais c'est beaucoup de travail. C'est-à-dire, pas la fantaisie. Faire qu'un chat, il a besoin d'énergie pour faire un bond d'un centimètre, il va faire juste plus il se fatigue. Par contre, quand il a 5 minutes d'eau, il fait un bond de 3 mètres, plus il se fatigue, moins il tombe, il meurt de bonnes années. On s'est arrivé à trouver l'énergie juste intérieure pour un personnage juste. C'est sûr que quand on en parle, une des dernières choses un peu conséquentes que j'ai faites, c'est Joaquin dans le Joker, donc pour faire rire, j'ai fait, parce que c'est une version française, j'ai le bonheur qui garde tout ce que j'avais fait, donc c'est sûr que là, ça demande un investissement de concentration technique et supérieure à celle que je peux avoir dans Jérémy. Pourtant, quand je le fais avec le même enthousiasme, mais c'est pas le même enjeu émotionnel, le même investissement psychique. Et surtout, ce qui est super, c'est qu'on se dit chouette sur la main, je vais jouer. Voilà, c'est pas un luxe énorme. À aucun moment, je me dis, pendant 25 ans, je vais travailler. Il n'y en a pas un moment où je me suis dit ça. Et quand on a quelque chose d'un peu pénible, ça ne dure jamais longtemps. Vraiment. Même sur le feu de l'amour, j'ai ça 3 ans, on se fend la gueule, il y a des corps sans nom. Parce que les acteurs sont des super acteurs qu'on voit souvent dans de grands films de cinéma. Il n'y a rien à jouer. Mais ils sont d'une sincérité. On se demande comment ils font. Ils restent 10 secondes comme ça sur le plan, parce qu'ils font que la série, l'épisode passe 52 minutes. Ils assument tout. Je trouve ça vraiment smart. Alors justement, Boris, tu disais qu'il venait du théâtre. Oui. Est-ce que tu as senti, toi, au fil des années, une évolution de comment le milieu du doublage est perçu par le groupe du théâtre? Parce que quand Thierry, arrête-moi si je me trompe, quand le doublage a commencé, on va dire, quand il y a eu ce boom du doublage, le milieu n'était pas forcément perçu de la même manière qu'il l'est aujourd'hui. Alors, moi j'étais avec le spectacle et j'ai eu la chance de commencer très tôt. J'avais 13-14 ans, moi j'ai travaillé pour les réalisateurs de la télévision, Marcel Cravel, tout ça. Je faisais des dramatiques, j'ai tourné des feuilletons, je faisais des gens comme les gens. Et puis un jour, j'ai un monsieur qui s'appelle Francis Lapps, qui m'a dit, tiens, on va pas faire du doublage. On va de match d'homme. Voilà, merci. Et je dis à Francis, je dis pourquoi pas. Inutile de vous dire que j'avais un pétoche au début, j'avais vraiment le trac. De toute façon, j'ai pas le trac, mais moi j'ai toujours quand même le trac. On a toujours le trac. Parce que ça change à chaque fois, il faut s'adapter, tout ça fait partie des boulots, je pense. Et Francis me propose ça. C'est qu'on va réussir, parce que Francis donne le rôle, on ne sait pas ce qu'on a voulu donner. Il s'est dit, tiens, j'ai un truc, j'ai pensé à toi ce que tu as eu peut-être matin. Voilà, on ne sait pas ce qu'on a fait. Tu ne connais pas le texte, tu ne connais pas l'histoire, tu n'as pas vu le film, et on te dit, bon voilà, tu as le mec qui est là, alors ce qu'il faut, c'est l'écoute de l'original. Il faut être très attentif et avoir une bonne oreille pour tout percevoir d'un coup. Et synthétiser le truc et voilà, et rentrer dans le machin, il faut aller très vite parce qu'on n'a pas le temps. Au moins, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire et refaire. Parce que du temps, c'est de l'argent. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on refait et qu'on refait que c'est meilleur. Parce que des fois, on peut être très bon au début. Moi, je sais que je suis plutôt l'homme des premières prises. Je suis bon jusqu'à 2-3 prises, il y a un moment où ça dégénère, c'est moins bien. C'est le plan. Après, il faut beaucoup de temps pour que ça revienne. Ça revient sur le tapis de, je dirais, la spontanéité ou tout ça. Sur la perception du doublage, moi j'ai commencé le théâtre tôt parce que j'étais des études avant. Et il a fallu un temps de maturation pour avoir le courage de faire ça. Parce que quand on embrasse cette carrière, parce qu'au début on n'a pas de carrière, il faut savoir que. Entre la personne qui en vit, c'est-à-dire d'en faire parce que vraiment, de payer son loyer, son téléphone, sa bouffe, éventuellement, peut-être partir une semaine en vacances, c'est 5% qui
bien entre le spring et les millions. Voilà. Donc cette fameuse habitant du spectacle dont les gens souvent ont été forcés. C'est souvent en période d'élection qui revient, donc je vais vous expliquer vite fait. Au moment des élections, je savais que ça allait revenir sur le tapis. On prenait une représentation 93 de Victor Hugo. Donc on joue à 5, 1h30. On est 1h30 sur scène. Il y a un texte énorme à l'apprendre que j'ai comptabilisé. Ça faisait un an et demi qu'on n'avait pas joué. Toutes les heures que la famille pouvait apprendre le texte, pour en répéter, pour faire le filage, les représentations et la fameuse heure et demie de spectacle. Je l'ai divisé par mon cachet brut, évidemment. J'ai gagné 2,10€ de l'heure pour que les enfants ou les adultes soient plus intelligents au moins de compte. Donc j'ai mis ça sur Internet, ça s'est arrêté tout de suite. Voilà. Il faut savoir que pour avoir ce fameux stade, il faut faire minimum 47 cachets professionnels en 12 mois. Ça peut paraître, donc c'est 47 jours de travail, mais pour les musiciens, les penseurs, c'est la même chose. On ne compte pas toutes les heures de répétition, on ne compte pas toutes les heures d'entraînement, on ne compte pas pour ça, ça rend compte. Pour avoir rien, même si vous avez pendant 20 ans travaillé tout le temps, et qu'à un moment, ben, je ne sais pas, parce que la retour, vous vous désirez, ou vous vous blessez, donc vous pouvez quitter ce métier. Tout est plafonné et vous touchez 10 mois en touchant 50% de ce que vous avez gagné la dernière année pendant 10 mois seulement, même si vous avez travaillé 25 mois. Voilà. Sans compter les humiliations, les injustices, parce que c'est assez sévère. Donc, je trouve psychologiquement extrêmement bien accroché. Quand vous avez la chance de suivre un acteur, parce que t'as vu Colin Farrell, je l'ai nommé 6 fois, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui décide que ce ne sera pas vous, et vous ne savez pas pourquoi. On se retrouve exactement comme dans le film, au moment de Kafka, où tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a plus de machine autour de vous, mais je dis, pourquoi? Et il ne vous donne jamais la réponse, évidemment. Donc il faut vraiment bien croire à ce qu'on fait, se dire, même si vous avez la chance de beaucoup travailler, du jour au lendemain, on dépend du désir des autres. Et c'est injustifiable, ça peut être justifié. Et donc, j'avais beaucoup de copains, moi j'ai commencé mon club théâtre tard, et donc j'avais passé l'âge pour passer tous les concours, les grandes écoles nationales, le conservatoire, la rue de Mange, le TMS, et maintenant l'école du studio d'Anières. Et j'ai donné les répliques, mais ceux à qui j'ai donné les répliques, eux sont rentrés. Donc c'est un film de travail. Et les copains du conservatoire disaient hey, tu fais du doublage, tu m'entends d'un mot de jungle, tout ça. Je fais j'ai pas le JDL, le JDL, c'est le jeune école nationale. Donc on fait une grande école nationale comme ça. Pendant 3 ans, on bénéficie de cette école en scène pour engager un jeune acteur. Il y a cet organisme de subvention qui paye le salaire. Pour autant dire que les acteurs qui sortent des écoles nationales travaillent beaucoup. Et 3 ans après, ils couchèrent. Et des fois, ben, le mec détruit beaucoup parce qu'on travaille plus. Parce que maintenant, on doit payer les masters. Et là, certains me disent, ah non, on est sur les propos. Là, je l'ai fait, mais je l'ai dit. C'est vraiment ça. Alors maintenant, ça s'est inversé. Maintenant, c'est très bien. On est une vedette quand on a la chance que Disney vous appelle pour faire un premier rôle dans un film d'animation. Et c'est pas forcément bien, c'est pas forcément bon, à part quelques rares exceptions, comme José Garcia ou Elise Moon qui fait un travail formidable dans l'âge de glace, là, c'est génial, mais la peur d'un peu aussi de dire, ben, je ne suis pas très habitué, Gérard Lanvin, qui double la route. J'avais fait le film annonce, je savais qu'il allait avoir une vedette qui allait faire le plateau. Et il a dit à la directrice de plateau, quand mon agent en a parlé, ça m'intéresse. Et je lui ai dit, si jamais j'y arrive pas, au bout d'une demi-journée, tu pourras me le dire, je m'en vais, puis celui qui a fait le film annonce, il le fera, c'est bien comme ça. Et je ne sais pas pourquoi. Alors maintenant, c'est une espèce d'engouement, et qui est aussi généré par le fait que. Nous sommes le plus long
monde de football avec le texte et l'écriture. On joue devant la barre. Quand on a un très bon auteur, un très bon détecteur avec le texte et le film, on n'a qu'à, entre guillemets, que jouer. Et donc, c'est, on a même l'impression de nous qui avons vraiment l'habitude. J'adore me faire surprendre par un ami. Je regarde le film en français, par exemple, le Jean de Boris ou le Benjamin Banner. J'ai regardé Des mineurs en français. Voilà. Il y a un moment, j'ai oublié qu'il parlait français, pas qu'il parlait, enfin, qu'il parlait anglais, parce que je suis rentré dans le film. Je me suis dit, tu vas gagner. Je l'ai appelé, je lui ai dit, c'était formidable, ça, je sais pas. Maintenant, puis aussi, grâce à vous, parce qu'il y a vraiment le terme de la fonction publique est venu, de passionné de ça, et merci, grâce à vous, on est là, que ces conventions existent. Et des gens sont très affectés, mais je suis souvent étonné de la connaissance cinématographique et des acteurs, des adacteurs que vous connaissez plus que nous. C'est pas juste un truc fan club, quoi. C'est, non, c'est vraiment des experts. Des fois, on parle de gens, on fait des. Non, je n'aime pas. Donc merci. Donc, grâce à vous aussi, là, notre métier est pris en considération et peut être amusé dans l'avenir et tout ça. Enfin, merci. Merci à vous aussi de venir prêter à notre hôte Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oula! Alors, plouf plouf. Les dames d'abord. Ouais, c'est ce que vous allez dire. J'ai une fille au premier rang. Non, je suis un garçon. Merde! Oh putain! Bah, non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, je vous en prie pas. En même temps, j'ai le maquillage. Et bonjour, je voulais savoir, au niveau du doublage de dessins animés et de films live, s'il y avait une différence au niveau du jeu et notamment de la réception. C'est la question qui vient d'être posée. C'est l'état d'esprit, c'est pas la. L'état d'esprit, d'accord. Au niveau du jeu, de la respiration. D'accord. Par exemple, pour un acteur comme Jason Statham, je suppose que pour la respiration, vous basez sur sa respiration. Mais pour un dessin animé, il n'y a pas de moment de respiration. C'est intéressant. C'est intéressant de poser la question. Parce que dans un dessin animé, on crée une respiration par le rythme, par une forme de ponctuation qui est particulièrement écrite. Hein. C'est-à-dire les espaces, ce qu'on appelle le silence, mais aussi le son. La petite différence, c'est que souvent les animations sont très bavardes. Pourquoi elles sont là-bas? Il y a une raison. C'est parce que l'image est quand même un petit peu statique et qu'il faut du texte. D'ailleurs, les sons, on a tous trouvé des sons. Moi, j'étais sur Santa Barbara, sur plein de séries, ce qu'on appelle les sons. Les sons, c'est très, 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 très bavard. Pourquoi? Parce que c'est très, très statique. C'est très statique. La caméra ne bouge pas beaucoup. Les acteurs sont dans le même décor. Alors, s'il y a quand même du texte, les gens sont là et puis très vite, ils étaient de leur poste. Et nous, on doit capter leur attention, alors il faut parler. On parle beaucoup. Mais ça fait un peu, entre guillemets, ça fait un peu plonger, mais ça a fait plonger un peu l'industrie du cinéma, du dessin animé en France, parce que ça coûte très cher au bac de doublage de financer, à cause de la quantité de textes, les dessins animés. C'est très bavard. Et quand on est payé à la ligne, vous imaginez l'addition en fin de journée. Ça peut vous couler une boîte. Tout simplement, il y a deux doublages à faire tourner. Parce que c'est. Quand elle est mal gérée. Quand elle est mal gérée. Mais, alors la respiration, évidemment, c'est une forme d'âme. Donc, faire ça, hein, et les mangas, je parle des mangas de baston, comme le chevalier du Zodiac, les trucs où il faut énormément. Là, par exemple, quand on attaque une phrase, ça part énormément. Donc là, on prend des. Là, ça gonfle partout, je me mets partout. Comment on appelle quand on veut descendre à 20 mètres, je ne sais pas, pour ceux qui font de la paix, moi je vais faire un petit peu, mais bon, tu respectes, tu prends une grosse pause. Tu sais que tu ne vas pas avoir le temps. Et si tu n'as pas d'air, avec les hurlements qu'il va falloir que tu fasses, si tu n'as pas d'air, tes cordes vocales, tu les pètes. Voilà. Et là, ça arrive, donc, autant t'es dans les films, bon, et puis avec sa parole, en fait, c'est une respiration sur le personnage, parce qu'on ne les voit pas. Mais je crois que ça génère beaucoup plus d'air, un dessin animé où ça hurle physiquement. Par exemple, on est là, on est en train de souffler, on est en train de faire des efforts.
après, évidemment, quand le personnage court, il faut se mettre dans l'état d'esprit de courir. Alors, évidemment, on ne va pas faire un 100 mètres pour être essoufflé. Mais on se souvient de notre respiration en cours. Et puis en même temps, nous, peut-être qu'on pourrait souffler. Bah, oui, mais l'acteur, lui, à un moment, quand il inspire, qu'il expire, il le fait bouche fermée, par le nez, bouche ouverte, il gonfle ses joues. Donc là, on l'a pas écrit, ça. Il faut le faire. Donc il faut prendre. Regardez, la respiration, c'est l'eau, l'air, la vie. Voilà. C'est vrai que c'est une respiration différente à chaque fois. Différente, c'est pas la même en fonction des personnages, parce qu'évidemment, comme ce sont des personnages, ils ont, entre guillemets, que ce soit un personnage créé par un acteur, on appelle ça en viande, que ce soit en viande ou en animé, les personnages respirent. Voilà. Donc, oui, aussi une chose que le travail de l'humoriste, c'est qu'on a l'œil qui balade. C'est-à-dire, on parle, on lit, on regarde. Vas-y, vous échappez, mais on fait toujours un. Oui, il y a tout un circuit. C'est un peu comme on chante la musique. On va parler du jour, on va parler de taxi, on fait ça la top. Parce que ça commence pas. C'est une espèce de gymnastique. Si on prend un peu d'avance, on a l'œil qui se balade, et hop, on va voir si on a bien respiré. Quand les appuis, ce qu'on appelle les appuis, j'ai une phrase, il y a des appuis, il y a des endroits où ils font, ça se voit sur le bon jour. Voilà, il y a un gros appui sur le bon jour. Ça se voit sur la tête de l'acteur, la pluie. Donc si vous ne regardez pas l'image, vous ne la regardez jamais, vous ne verrez pas les appuis. C'est vrai qu'on a un musicien de partition. Les accents. Tu sais, il y a les accents, donc tu sais lire la musique. Donc on a appris à la lire, évidemment, d'ailleurs, la musique aussi, tu sais qu'il y avait des musiciens vénérés dans cette assemblée. Un acteur et un musicien ou un danseur, bon, c'est pas laisse plus de temps libre. Voilà. Donc on apprend les gammes, quoi. Moi je connais bien des musiciens comme des danseurs. Ce que tu racontais tout à l'heure sur le 4 plus, tu touchais que 2 euros en général. Les gens qui arrivent sur la scène pour jouer, ils ont travaillé des heures et des heures. Ils sont payés des nefs. Ils sont payés que dalle. Johnny Hallyday, par exemple, il a un harmoniciste qui se brouille plutôt pas mal. Il joue au Stade de France. Il est payé 300 euros pour lui, le cachet, quand je joue au Stade de France avec Johnny Hallyday devant 80 000 personnes, quoi. Merde, fait chier, quoi. Il a passé des heures et des heures pour être payé 3 nefs. Alors oui, il joue au Stade de France, 300 balles. Moi, je me dis, quoi, tu fais rien. Ah ben, on va pas te prendre. C'est quelqu'un, on va le faire. Et il mériterait de toucher 10 000. Oh, toutes les dizaines, les centaines d'heures, les années d'heures. Parce que pour jouer comme ça, il faut. Ben, c'est clair qu'on peut faire le job. Parce que là, on en parle un peu, voilà, mais c'est 25 ans plus un jour. Hein. Voilà, c'est comme un musicien qui a fait toutes ces gammes, c'est des années, des années. Tous les mercredis après-midi, il va jouer avec ses copains, on lui dit, il va se apprendre la musique, le solfège, un peu sûr que le solfège. Donc, il faut avoir envie, c'est des contraintes. Pour être en bout de chaîne, dire que c'est un bistro, parce que d'être trop, ça va, c'est pas mal. Alors, ce qui sauve peut-être les comédiens, c'est que quand on arrive à beaucoup de technicité, comme les gens qui vont du doublage, et tous les comédiens ne font pas très bien du doublage, il y en a qui n'arrivent pas. Et quand vous allez sur un plateau, ce que les gens veulent, c'est quelqu'un qui a le temps d'avoir l'expérience. Ils veulent telle personne, parce qu'ils savent que cette personne-là va tout de suite piger, et elle va tout de suite avoir un peu de temps. Elle va tout de suite être. Voilà. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on peut pas arriver du jour au lendemain? Comme on dit, c'est 25 ans plus 3 jours, mais il est démarré. Mais bon, c'est comme l'étudiant qui va avoir son diplôme. Ah oui, mais on a besoin toujours d'expérience. Ouais, mais bon, ça ne nous donne pas l'expérience. Moi, je veux pas l'expérience. Mais tiens, ça se voit la queue. C'est des années d'expérience. Alors, il y a des gens qui sont super, qui sont souvent des comédiens, des acteurs qui ont le mérite, qui vont au théâtre, on leur parle de quelqu'un, et on va les tester sur ce qu'on appelle les ambiances, le petit rôle. Et là, on peut très vite. On n'a pas besoin d'un grand rôle, plein de textes pour se rendre compte si la personne comprend le truc, si on donne une indication, si elle est rapide, si elle a vu. On sait. Après, on n'est pas tout à fait synchrone, c'est pas grave, on dit oh lui il est bien, elle est bien. Donc, et après, elle nous circule. Comme ça, on peut donner des petits trucs, vraiment quelqu'un d'intéressant. On a besoin de jeunes parce qu'à un moment, bon,
moi je l'emmène pas mal, parce que moi j'emmène les gens. Je vais au théâtre, je les emmène avec moi, j'ai pas mal de copains, j'ai fait bien l'image. C'est une des choses très importantes maintenant. Il faut transmettre ce qu'on reçoit. Puis ça fait beaucoup de plaisir quand on suit avec un personnage, qu'on est soutenu par des gens qui nous dirigent, qui aiment les acteurs, parce que c'est très important, les acteurs, ils aiment très bien. Et surtout, on a besoin d'être en confiance, parce que des fois, on va vraiment rappeler des choses qui sont pas très chouettes, nos petits blessures à nous, nos petites choses, ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va jouer dans une partition musicale, ou un peu Shakespeare, un mec qui va réussir à jouer un mec qui va jouer par un mois, parce que peut-être qu'il va arriver à un mec. Donc, on a besoin d'être en confiance, pour faire ça, quand on a besoin d'agir. Donc, c'est extrêmement rassurant. Et quand quelqu'un, vas-y. Tu te tiens la tête, tu ne boiras pas la tasse. C'est un peu la même chose, un hein, théâtre de plateau en étant seul. Quand tu sais nager pour toute ta vie. Ça, c'est merveilleux. Ah, ouais, puis il y a des autres rondes, là, on a besoin. Ah oui, nous sommes bon, c'est normal. Ouais, on a toujours besoin d'un regard extérieur, de toute façon, c'est comme Shakespeare, on ne peut pas être juge de partie. C'est quand même une des seules, comment on pensions, comme du métier de comédien, où on peut surtout juger, parce qu'on réécoute la boucle. Un musicien fait un concert, normalement enregistré le coup d'après, mais sur le moment il le fait, c'est une live, on est au théâtre, on joue, puis là, le metteur en scène, on touche cet orchestre, il va dire ah là, c'est un peu. Et on a bien travaillé, donc ça s'est pas vu, mais moi je l'ai vu. Et nous, la plupart des réalisateurs, on ne souhaite pas que les acteurs se regardent, des fois ils ne regardent pas la piste parce qu'ils n'ont pas le temps, donc. Et là, on a le temps, donc c'est étrange de pouvoir enregistrer, finalement, je peux juger ce que je fais. Et la première fois qu'on entend sa voix, je dis c'est pas bien, c'est la façon dont on s'entend et qu'on les entend, c'est voilà. Après, quand on accepte sa voix, on accepte de se voir. Moi je sais que j'ai fait énormément de progrès au théâtre grâce au doublage. Parce que souvent au théâtre, on arrête avec le travail. Donc c'est une fouille. En fait, au doublage, on a, en parlant d'air, de respiration, on a toujours de l'air dans la machine. Parce que dans la vraie vie, c'est pas la vraie vie, le théâtre, il y a toujours de l'air, tant qu'on y croit. Donc ça, moi, ça prend une virtuosité de dire du niveau de respiration, et puis on peut dire les plus en scène de théâtre, et puis on se rend compte que c'est plus en derrière. Ok, d'accord. On sent, on n'a pas besoin de se dire, oui, mais pourquoi il y a des problèmes ? Non, mais comme ça, ok. Il vous en prie, d'accord, je ne vous en prie pas. J'ai senti la tête. Merci à vous, je suis désolé, c'est tout le temps qu'on avait. Merci à nos comédiens, merci à vous, Boris Rélinger. Merci à vous tous d'avoir assisté à cette